Et salut les rocketeurs! Ah non, c'est pas ça. D'ailleurs, est-ce qu'on a une phrase d'intro? Est-ce qu'il faudrait pas en faire une? Les gars, si vous avez des idées pour une phrase d'intro, il me les faut. Il faudrait un petit gimmick, tu vois. Un petit, je sais pas, genre, salut les gamers! Non, un petit, salut à tous les amis, c'est DalleFR. Aujourd'hui, je suis avec Flitz, coucou! Aujourd'hui, je suis pas avec Flitz. Je suis en solo queue, vous savez, c'est l'épisode 17. De ma série Road to SSL en solo queue, évidemment, ça bouge pas, on ne fera aucune duo queue. En fait, c'est-à-dire que cette série, les gars, elle a un seul but. Et je vais être honnête avec vous, c'est juste de fermer des bouches. Non, c'est faux. C'est un peu vrai quand même. Il y a tellement de gens qui pensent que je suis boosté ou je sais pas quoi. Le fait de monter en SSL en full solo queue, avec toutes les vidéos, vraiment de A à Z, toutes les games sur ma chaîne YouTube, on pourra rien dire en fait. Si ça arrive, personne ne pourra dire machin, je sais pas. Donc voilà, l'objectif numéro 1, c'est Supersonic Legend sur ce compte, dans l'idéal. Vous avez vraiment toutes les games, quoi. Vous savez de A à Z ce que j'ai fait comme chaque input de manette, chaque touche de manette sur laquelle j'ai appuyé, le processus complet pour monter SSL. Ah, la set est maîtrisée, c'est cool, ça fait plaisir. Et ça, vous n'aurez pas d'excuses. Vous ne pourrez pas me demander d'aller faire comment t'as fait pour mon TGC. Bah voilà, j'ai fait comme ça. Et sans transition, on se retrouve tout de suite pour la game numéro 1. C'est parti, la game numéro 1. Il faut absolument en perdre aucune. La tension est à son paroxysme. Je suis contre Rocketer et Azox LPF. Et je réussis un très très bon kick-off. Je vais attendre. Et ça passe. C'était sûr. Il la rate tout le temps, celle-là, les mecs, de toute façon. Excellent. Oh là, ça, c'est du kick-off bien moisi. C'est pas grave, on est tellement fort. On est tellement concentré sur le point d'impact que on peut rater le kick-off. C'est dommage. Ça aurait pu passer, ça en vrai, c'était un peu risqué parce que je laisse mon mate tout seul derrière. Oh, wesh! Elle est partie fort celle-là! Ok. Ok, je prends des petits pads. On va derrière le mate. Elle joue une balle, on rejoue pas ensuite. Ok. Fake. Ok, il y a un mec qui me démo. Wave dash. Je vais devoir sauter. Deux zones mortes. C'est pas grave, il y a un partout, il y a un partout. C'est comme si c'était 0-0 et il s'est rien passé. Oh, miracle que je sois pas de démo. Ah, il n'y a aucune synergie dans notre équipe. Ok, le move. Vas-y, backboard. Ok. Ouais, ça me paraît être but. Attendez l'erreur! Aujourd'hui, ça va être la règle du jour, les gars. On va parler de ça. Attendez l'erreur! En C3, les gens, surtout offensivement, là j'ai marqué deux buts sur deux erreurs. Une erreur défensive au kick-off et une erreur offensive là où ils étaient à deux sur la balle pour tirer sur le mur. Il y a toujours plein d'erreurs, même jusqu'à, je dirais, GC3, tu vois. Et en C3, il y a un gameplay, il y a une partie du gameplay, des fois, quand vous sentez que l'adversaire est agressif, vous attendez qu'il tire à côté de lui. C'est un peu la même chose dans un contre 1 d'ailleurs, hein, les gars. Ok, est-ce que je peux la mettre? C'est un peu dur. Ouais. En fait, ce qui est dur, c'est qu'elle. Bon, alors ça. On prend la team, on prend. Je vais mettre un petit bien vu parce qu'il a été vraiment vif. Oh, ça va en fait. T'es là. Merde, bah, j'étais sur la gouttière. Hein. Ça compte pas. Oh, c'est mis bien là à marquer 5 buts. Ça fait souvent du bien de marquer 5 buts, les gars, dans Rocket League. Souvent, ça vous donne un petit avantage. Ok. Oh là. Ah, il savait malheureusement. Je pensais qu'il allait. J'aurais dû fake. Ça aurait peut-être. Allez, 5-2. Oui! Oui, Yoni Boy, il est meilleur que moi! Il est meilleur que moi! Ok. Pas besoin de se jeter outre mesure, je reste derrière la balle, je reste derrière la balle. Ça a touché le. Voilà. Ok. Bon, faut arrêter de sous-estimer quand même, c'est quand même du C3. T'as compris la vanne? Sauf qu'ils sont vraiment nuls les C3, genre. Gagnant par forfait orange, j'ai mis un but du kick-off que je vous ai pas mis parce que j'avais la flemme. De toute façon, la game était finie depuis longtemps. On passe tout de suite à la game 2. Et c'est une game qu'il ne faut absolument pas perdre, car comme on l'a vu, je peux monter GC, mais c'est un peu limite. Ok, bon, le mate est là finalement. Gila 5, 9-3. Ça va faire.
Oh, lui, je vais le démonter là. Elle a sauté au-dessus de moi, c'est incroyable. Ça, c'est de l'esquive de haute voltige. Les gars, je crois que je suis avec un boosted. Je crois que je suis avec un boosted, les gars. Let's go. Et je vais jeter. Je crois que je suis vraiment avec un boosted. Hein. Ok, tu peux peut-être la mettre. Fake. Bon, on va essayer de se jeter là. Mon mec n'est pas derrière. Là, par contre, on était derrière. Donc, c'était moins risqué. Ça rentre. Please. Nice. Tout est dans la vitesse, ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu quelqu'un en chat vocal. J'aimerais pour la game du GC qu'on ait quelqu'un en vocal, en vrai de vrai. Ce serait plus sympa pour la vidéo, genre. Ok. Ok. Ah, ça va être dur de... Bien joué. Ah, bien joué. Dommage que j'ai pas un peu plus de boost. Ça va, je l'ai un peu bon, tu peux au moins mettre un point un peu. Ok, est-ce que je peux avoir le mid? Ouais. Oh non, le wave dash qui se passe mal. Ah, j'ai pas eu le boost là. Il a pas respawn. Et je suis avec un C3 vraiment mauvais. Hein. Pour l'instant, ça passe, mais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un ex-GC quoi. C'est vraiment un bon vieux C3. Et derrière Dev, comment il se comporte? Ok, bon. Heck. Oh, wow. Ah, vous voyez, cloué sur sa ligne. Ouais, c'est vrai que ça passe, mais... Nice. Pas besoin de trop forcer son talent finalement. Ah par contre il est pas bon. Ouais non, je vais rester concentré parce que il fait quand même des choses bizarres. Faut pas que je prenne la game comme win. Nice. Ça c'était un beau contrôle flic les gars. Y'a pas beaucoup de boost. Et ça quitte. Ce qui va nous amener à la balle de match. La grande finale pour le grand champion. Et c'est la game 3 qui arrive maintenant. Allez, c'est parti les gars, full focus. Même 1v2, je gagne, j'en ai rien à foutre. Je viens de carry hard un mec. Ça va être exactement la même chose. Ok. Je vais prendre du boost, même si j'ai 24. Il est à 100, donc normalement, il devrait pas se faire passer trop facilement. Et je vais rester là. Hein. Ah, juste... Tu vois, pourquoi j'ai fait cette touche? Pour rester... Voilà. Pour rester capable... De. Ok, il fait une touche toute douce. Et là, on est 2v1. Hop, pareil, touche douce pour essayer de t'en mettre de se placer. C'est excellent. Ok, je vais le laisser aller. Essaye à dribble. Tente un musty. Ok, je l'ai pas trust. Ah, c'est quand même un peu ma faute ça. Hein. On va essayer d'aller vite, c'est ce qu'il peut le démo. Il peut le démo. Il peut le démo. Et il l'a démo. Et je marque dans le but vide, c'est excellent. Allez, je vais follow, j'espère. Mais j'espère qu'il va faire un bon kick-off. Là, ça monte. Désolé, hein, je savais pas si ça allait être un challenge ou quoi. Là, il me laisse normalement. Oh. Et il pourra pas profiter de cette différence puisque je suis très rapide et que je me retourne directement. Ça va être une relance sur le wall. Enfin, côté wall. Ça, c'est pas ouf. On prend une démo quand même. C'est dommage. Meta choc, hein, la lecture. Ouais, là, c'est un peu précipité, c'était pas grave. C'est pas grave. Quand vous entendez pas le mec sauter, c'est pas la peine d'essayer de read pour empêcher une double tap. Hein. Ça s'entend quand le mec il double tap, il met des coups de boost, il saute et tout.
jouez avec votre casque et voilà. Sinon, vous attendez, vous activez la webcam pour voir devant vous. Alors, peut-être. Ok, désolé, je suis en tension là, il faut pas le perdre ce GC. Ah, il fallait le chercher quoi. Ça c'est excellent, j'espère qu'il m'a trust. C'est à moi de clutch, c'est moi le GC2 ici. Nice. Ah, risqué la passe mid là quand même. Waouh. Il va wall. C'est pas forcément un bon move, ça me laisse le temps de prendre du boost. J'étais là au cas où il se faisait bump. Hein. Ah, ça commence à se jeter un peu n'importe comment en face. Non, il a tiré en dessous. Ah, l'erreur du mate quand même, là il faut tirer, il faut pas faire ça, c'est de la daube. Pas grave. 2-2, la tension est à son comble. Oui, let's go. Let's go, Jesper, t'es trop fort. La speed dans l'aérial. Je kiffe, là je suis en train de kiffer. Ok. Nice. La speed, encore une fois, qui fait la différence. Ça, c'est que la speed. Les gars, on n'a jamais été aussi proche. J'ai reverse sweep le C3. Allez, j'espère. Ah, oh, c'est bon, c'est but. Regardez comment il est à l'aise. Ah non, je venais contrer, moi. Non, me dis pas ça. Non, il reste 7 secondes. Back plus vite, j'espère. Après, il a essayé de bump. C'est pas grave. Allez, on lâche rien, les gars. On lâche rien. Allez. Et je vais fake challenge. Je vais même pas la toucher. Ça va le baiser. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, j'espère. T'as pas fait cette touch. Me dis pas que t'as fait ce. Putain, overtime game 7. Ok. Il rate. J'ai. Ah, il est sur la ligne, il attend. Ok, il va l'avoir. J'ai peur. C'est dedans. Nice le rebond. On prend. Et les gars, vous voyez ce petit logo? Vous le voyez, ce petit logo. Jamais été aussi content de monter grand champion, les gars. Ça fait longtemps. Et je vais me prendre maintenant un repos bien mérité. On se revoit dans 2 jours. Les gars, je compte sur vous pour assister à la remontada. Là, on commence à se rapprocher vraiment sévèrement de l'élo de mon compte principal, qui est 1550. En vrai, on est à 100 points. Donc là, ça va commencer à... Tu vois, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, ça va vraiment, on va voir si... On peut pick ou pas cette saison. Les gars, d'ici là, portez-vous bien. Petit like, vous connaissez. Petit like, petit commentaire. Bien sûr, abonnez-vous. Si vous voulez soutenir mon travail, bisous!